Pour moi, c'était plus presque comme une performance qui était continue sur la journée. Simplement, il y avait ces moments où il y avait la musique, finalement, les concerts qui ont été joués, il y en a eu 3. Mais après, la performance elle-même, elle était plus ou moins continue, parce qu'une fois que les musiciens arrêtaient, on coulait les plâtres, le site restait en place. Donc même quand rien ne se passe, je pense que ça reste, ça fait partie de cette performance d'une journée, en fait. J'avais envie d'amener de l'humidité en fait dans le projet, quelque chose, parce que tout ce sable, la pierre, Arles, la chaleur, le soleil, je voulais amener ce côté un peu sale et imprécis en fait du plâtre, de l'eau, du liquide, de l'alginate aussi, qui est cette espèce de matériau un peu visqueux, un peu sexuel aussi, ça ressemble à des liquides physiques et corporels. Donc c'est vrai que c'est une proposition assez classique en fin de compte, de rapport à la sculpture, les arènes et tout ça, mais à la base ça vient plus d'un concert noise un peu punk avec beaucoup de bière répandue. L'interaction avec le public, c'est très particulier parce que la circulation dans les arènes se fait à beaucoup de niveaux différents. Donc il n'y a pas de passage en fait obligatoire. Moi je voulais être un peu retranchée de l'espace central finalement, donc c'est pour ça que je trouvais ça assez beau là-haut, et en même temps il y a quand même cette idée de promenade en fait, de marché qui était bien aussi pour créer quelque chose d'assez lent en fait, je pense. Mais je pense que j'ai aussi voulu jouer avec des codes, c'est-à-dire qu'on avait discuté avec Benoît et lui me disait, moi je voudrais surtout ne pas répondre à un thème, donc tout ce thème de la lune ou des arènes. Alors que moi, ça m'amuse de jouer peut-être presque lourdement avec ces codes-là, en fait. Et je pense que la performance, elle est au bord du ridicule. Enfin, il y a une dimension presque, pas grotesque, mais il y a quand même un truc... Enfin, il y a une étrangeté, je pense, qui naît du fait que c'est assez... c'est des ficelles presque grosses, quoi. Et moi, j'aime bien jouer avec ça, en fait. J'aime bien qu'il y ait une ambiguïté...